Plus de 16 000 personnes ont été évacuées pour cette seule journée de lundi en Gironde, 32 000 depuis le début. Dans le secteur de Landiras, plusieurs villages sont ce soir totalement déserts. Clément Barguin a suivi pour Europe 1 les opérations d'évacuation à Landiras. Bonjour. Bonjour monsieur. La gendarmerie. Porte après porte, les gendarmes s'assurent que le message est bien passé. Il faut évacuer le village. Il ne devrait pas y avoir un incendie ici, non. Il est suffisamment loin. C'est surtout les fumées toxiques. Il faut partir en fait. Il ne faut pas rester là. 2400 habitants qui doivent quitter les lieux le plus rapidement possible. Et pour n'oublier personne, le maire de Landiras, Jean-Marc Pelletan, supervise les évacuations. C'est des quartiers. Un quartier, ça peut faire une maison. Hein. Je ne les ai pas tous, mais on en a une quinzaine. C'est du mitage. Hein. C'est une maison par-ci, une maison par-là. Et c'est pour ça que le maire est là. C'est mon troisième mandat, donc je connais bien le territoire. Des habitants comme Denise et Patrick qui n'ont que quelques heures pour faire leur valise sans savoir quand ils pourront rentrer chez eux. C'est toujours très angoissant, mais il n'y a pas d'autre solution. On ne va pas se faire intoxiquer. On va prendre une voiture, on va mettre des affaires dans la voiture. Ma belle-sœur qui est à Saint-Médard a déjà appelé, ils nous attendent. Pour ceux qui n'ont pas de solution d'hébergement, un dortoir a été installé dans le collège d'une commune voisine. À Landiras, Clément Barguin, Europe.